Alors attention, on a le Mont Sorbet ou les eaux pétillantes. Non. Mont Sorbet. Je pense qu'il est plus facile. À date, là, le Mario, il est plus facile que celui sur la Wii. À moins que c'est moi qui s'est amélioré. Ce serait le monde 2, tu dis à Roz. Je peux pas le consommer de rette là, non? L'objet doit être supprimé. Fuck! Ben, les mondes sont souvent faciles, ouais. Couronne, c'est même pas rendu bien, c'est rendu un malus. Ouais, dans mon cas. Dans mon cas, oui. Ça devrait savoir où est le monde caché. Mais non, mais j'ai aucune idée quand tu me parles de même, genre. On dirait que tu me parles en biscuit chinois, tabarnak. C'est qui dit là? J'imagine? En biscuit chinois, non, mais je sais pas, genre, c'est comme... Si vous regardez l'environnement, vous verrez le monde caché. Genre, c'est comme ok. Ok. Savoir où le monde caché est, regardez la carte, tu devrais. Genre, on en fait de même. Je comprends qu'il n'a pas envie de me spoiler. Là. Peut-être qu'il n'a pas envie. Là. Il est en mode non, non, non. J'ai envie de te voir rusher. Chance vous sourit. Ça, c'est pas bon signe dans un buffet chinois. J'arrive. Faites toutes mes souris pas, genre. Ah ouais, ça doit être le monde 2 de Mario. Non, 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 minute, toi, là. Minute, 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 minute. C'est quoi cette affaire, là? Non, pas la boule de feu, il va tout péter! C'est pas ça. Funray Yoda is back. J'ai jamais connu ce personnage-là. Funray Yoda is back. Quand est-ce qu'il est arrivé déjà en partant? Quand est-ce que Funray a fait du Yoda? J'ai jamais vu ça sur la chaîne. Mario time. Vous allez rencontrer votre aimant. C'est ça. Pour vrai, j'ai aucune idée, gars. Moi, ça me paraît pas évident, là. Je vois pas la... Ça me saute pas au visage, là. Genre, ça se trouve, genre, tu prends le tuyau qui est là, genre, pis t'es comme propulsé, ou genre, il y a un chemin qui descend. Ah, spoil-toi la carte. Ah, peut-être que c'est une bonne idée. Clairement, genre, je prendrais soit le champignon qui est là ou la forteresse. Puis j'essaierais d'aller là, genre. Ou là. Skywalker, Lego, jeu, toi, avais joué? Je pense que oui. Moi, avoir... Pourquoi je parle demain? Ouais, j'avais faké, genre, le... Ben, j'avais faké. Donc, disons que j'ai essayé de vous faire plaisir ces deux semaines-là. Je jouais puis je comprenais pas ce que je faisais le soir. Je me dis peut-être que je pourrais jouer à un jeu qui a vraiment du gameplay.
Finalement, c'est le 1-2. Donc, c'était le monde où j'étais. Si j'avais du flair. Regarde l'environnement. Ça doit être là. Connu Fenrir Yoda, tu vois. J'ai été voir pour juste pour toi. Ah ouais, c'est ça, c'est le chat Solus. C'est le chat Solus à la Yves. Merci. Mais sans blague, je trouve ça un peu con qu'il n'y a pas rien qui est marqué, genre. Comme quoi t'as fait le monde à 100%. Parce que dans l'autre, t'avais ce genre de truc-là. Genre, t'avais une étoile à côté du monde. S'il y a pas d'étoile, je vais oublier ça. Je vais jamais m'en rappeler. Genre, c'est pas prévu que je joue à ce jeu-là, genre, chaque stream, là. Genre, c'est qu'on alterne, puis on essaie de le finir avant le 20, là. Quoi qu'en même temps, la manière de savoir si t'as toutes les pièces, les trois pièces dans chaque monde, c'est de mettre des clôtures devant les niveaux dans le monde 9. Peut-être on l'aurait trouvé. Ben, on n'aurait pas trouvé, mais on l'aurait su que c'était dans ce monde-là. Ça n'a pas de sens. Salut à Mengu, ça va bien? Parlant de Yves. Les gens de chez Yves. Tu sais que je cacherais ça, moi. Si j'étais développeur de jeu. Genre là. Non. Il y a deux tuyaux, on était dedans. Qu'est-ce que c'est ça? Il s'est retourné dans un second. Non, non, ça fait pas ça. Je me suis même tassé sur le truc. Ça va bien, merci. Nice. Salut, c'est Suna, bonsoir. Hello tout le monde, allô Nev. Tout va bien pour toi aujourd'hui? Ça va numéro 1. Ça va super bien ce soir. On passe une très belle soirée sur Mario. Il y a peut-être l'étoile quand tu finis le tableau avec chaque perso. Chaque perso, il a refait ça. C'est de la satanerie, ça. Ah, si, le pop. Tellement tiré par les cheveux, je sais pas où aller. Dans 3D World, tu devrais le faire avec chaque perso. Ouais, c'est pour ça, genre, j'ai compris l'affaire que t'étais en train de me dire. Quoi? Je comprenais la référence que tu... Peut-être, ouais. Peut-être qu'il y a des idées qui étaient déjà là au début. Sauvegarde rapide, menu... Non, mais c'est ça qui est fou, genre. Pourquoi j'ai fait ça? En plus, c'est même un champion facile. Ben écoute, Iroz, je suis toutoui. Je suis toutoui. Vu que t'as été voir. C'est terrible. Yay! Yeah! Qu'est-ce que j'ai pas fait dans ce niveau-là? Je suis monté en haut. Les tuettes? Là, je l'ai fait.
Ouais, je l'ai fait, je pense que c'est donné la troisième pièce. T'es proche tantôt avec le first try? Le first try? Tantôt, quand on l'a fait la première fois ou quand on était en train de le refaire puis j'ai marché en haut? Peut-être qu'il faut pas faire ça. Hostie, arrête! What? Mais non, c'est de la bouse! Asti, j'y ai cru! J'étais comme, ah oui, on se dit, on y va! On y va dans le monde Ça va être beau! On va vous envoyer des cartes postales, les gars! Ouf, non. Minute, c'est quoi ça? Il y en a un autre? C'est dégueulasse, ça, Fenrir. C'est dégueulasse. Non, pour vrai, les gars, je sais pas. Hein. Salut, Mega Shrek, ça va bien? Si tu cherches, c'est en haut. Ah, mais je brûle-tu, là? Je suis frette. Je suis frigorifié. Oui, je brûle. Asti, arrête tes conneries, mon gars. C'est sérieux? D'où une méga référence à Mario Bros. 1. C'est nice. C'est vraiment nice. Repagner un boss de jouer à Friday the 13th, vu que le jeu va être délisté du magasin bientôt. Ils vont... Oui, j'ai vu ça. Ils ont max level tout le monde. Puis toutes les challenges sont faites. C'est plate un peu. Je voulais les faire. C'est-tu la même équipe qui travaille... Ah, c'est ça que je me disais. C'est-tu la même équipe qui travaille sur Massacre à tronçonneurs, Texas? Passe d'une franchise à l'autre, mettons. J'ai pas regardé c'était qui. Eh ben, c'est fou, cette affaire-là. L'antre secrète des bloops. Même publisher, pas la les mêmes devs. OK, OK. J'ai-tu répondu à Mega Shrek? Je sais plus. Ça va très bien. Passe une petite soirée sur Mario. Un avant-goût du niveau extra, là. Pa, 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 pa. Attention! C'est mouillé! Pa, 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 pa. Ah oui, eux autres sont vite, là. Ils ont-tu nerfé? Ah, oh, ils ont pas nerfé! C'est l'ennemi le plus compliqué dans Mario, maintenant. Ah, mon esti! T'as un petit tuyau là? Ah, oh, c'est que j'ai eu peur. Arrête. Arrête, s'il te plaît. Tom, tom, ta-da-da-dum. Ta-d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 a-
Et on a la troisième pièce. Ça sent la fin du niveau, le fuck-up. Attends une minute. Y'a-tu quelque chose en arrière? Juste à être sûr. La pièce, on l'a pognée pas loin. Écoute, au pire, on leur fera. Mais peut-être qu'il y a quelque chose. Des fois, c'était arrivé. C'était déjà arrivé. Ah, peut-être en haut. Il y a un espace en haut, là. On va réenquêter là-dessus tout à l'heure. Ah, c'est pas fini. Il s'en vient, il est dangereux. Une de Foo Furrier. C'est... Non. Arrête de me dire que j'ai pas de temps, arrête. Avec le tuyau dans le milieu, là. C'est le tuyau dans le milieu. Non, faites-moi pas monter! Arrêtez... Non! C'est pas ça que je veux faire! Asti, il va me tuer, lui. Ah, il y a deux choix. Ah, ça doit être là. C'est pas là. Asti, de visage. Comment ça, je suis poussé? Tu vas m'arrêter ça tout de suite? Oui! Ah oui, ça aussi c'est bon. Mais au revoir. Oh, ça va bien, hein? Mario il respire dans l'eau. C'est pas comme Sonic. Sonic c'est un hérisson pis il est pas capable. Non, c'est une joke, c'est une. Oh sac! Je sais pas, Mario il respire sous l'eau. Peut-être pas, peut-être que c'est vraiment un Italien avec des super capacités. C'est vrai que dans Mario 64, il respire plus sur l'eau, hein. C'est vrai que d'un Mario à l'autre, les règles changent souvent, hein. Sonic, il a la phobie de l'eau. Il a peur de se noyer. Fait que finalement, il se noie pas, genre. Il manque pas d'air, mais il capote, genre, il pogne un bad boy. Mario, il est plombier, il connaît ça, l'eau. Wouah! Hey, c'est du méga skip, cette affaire-là. Je vous l'ai dit, les gars, c'est le Dark Souls des Mario. Tous les mondes sont connectés. Ah oui! On a tout trouvé! Ah, c'est que c'est le fun. Ça part. Wouhou! Ah, bah, slack. Comment ça, il glisse? Dans le terrain, il est plat. Ça rejoint l'autre raccourci, genre, qu'on a débloqué. Wow. Arrête plus, les gars. 20 minutes de marche pour aller au prochain niveau. Genre. Tabarouette, c'est impressionnant, genre. C'est pas si pire, là, Fenrir. Sauf si tu pognes une scène. Attends, mais de quoi qu'on parle, sauf si tu prends une scène. Sonic a vraiment phobie de l'eau. Parce que c'est un Italien plombier. Plombier. Voyons! Plombier, bon! Sacrément, ça n'a pas été facile. D'après moi, c'est ton chat qui t'a mis dans cet état-là. Un humain est fait pour retenir sa respiration pendant 5 minutes, donc. Je vous conseille pas d'essayer ça. Il se noie dans un animé, ça commence de même. Parce qu'il tombe dans une piscine. C'est bien décrit ça. Il y a presque juste dans les Mario 2D qui respire dans l'eau. La ride est plus longue que certains stages. Non. Dans Mario 64, si tu pognes une scène, tu reprends... Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Écoute, je sais pas, je suis où, mais... Probable, ouais. Si Mario pogne une scène dans l'eau dans N64 pour respirer, il revient. Ça respire, il revient. C'est vrai, hein? C'est fou, cette affaire-là. C'est vrai, il n'y a pas de règle dans Mario. Puis non, mais quand il pense, là aussi, là, on l'oublie-tu, mais dans un Mario 2D, t'as une étoile, t'es invincible. Dans un Mario 3D, t'es pas invincible. Faut que tu pognes les étoiles.
Oh, le con! Il m'a chié dans les mains, là. Ah, si, je me suis fait un doigt d'honneur à mon main. Arrête! Je vais se rendre à la fin du niveau, le gars. C'est fini! Qu'est-ce qu'il va me donner? Ah oui, ça vaut vraiment la peine. Pour vrai, ça vaut vraiment, vraiment la peine de les faire, genre. Sans blague, là. Il est expulsé. Tu n'existes plus dans cette dimension-là. Bon, ok, monde 3, là. Ça part pour vrai, le monde 3, là. Pa-pa-pa-pa! Mario qui prend des scènes, ça sonne comme mon oncle, ça. Merveilleux. Quel genre de scène? Après ce Mario, c'est au tour de Luigi. C'est pas faux, il y a un Luigi. Il y a un Luigi d'extra. Super Luigi U. Alors on verra, hein. Il y a rien qui presse, là. Moi, mon envie, c'était de vraiment faire ce Mario-là avant la sortie de Wonder. À la base, c'était celui-là que je visais. Asti de corps. Tout va mal. Ok, tout va bien. Que je pensais. Oh, plus haut? Fuck off. Déjà à moitié de niveau. Salut Samir, ça va bien? Bienvenue sur la chaîne. Quoi? Scandale. Ah, c'est parce qu'il allait faire sa petite danse de merde. Excellent niveau, ça, j'ai aimé ça. C'était plaisant au bout. Oh yeah, Mario time. Ce Mario-là, c'est le best à speedrunner. Ben, à date, de manière générale, je te dirais, celui qui m'envoie une vibe qui est plus, on va dire, difficile, un peu plus réfléchi, c'est plus celui sur la Wii. Celui-là, bon, c'est beaucoup de... J'ai l'impression d'avoir déjà fait ces niveaux-là. C'est un peu étrange à expliquer. C'était beau, hein? Je sais pas si Murder est encore là. En tout cas, s'il a la chance de m'écouter, là. J'ai écrit à... Celui de la Wii? Ouais, celui de la Wii, je trouve, il était vraiment bien. Ah non, je garde le...
le con! Arrête, fais juste monter! Hein? C'est un marde-là. Attends une minute! J'ai été hypé par le nouveau costume qui lance des bulles, mais il était déjà là! Il est déjà là, le nouveau costume avec les bulles? C'était le Yoshi bleu! J'ai vu Sensato, là. C'est pour ça que je voulais te dire, mais what the fuck, il y a du trafic, ça. Sensato, là, il a partagé une liste de jeux et tout, là. Sur Twitter, je trouvais ça comique. Je me disais, ah, il se remet un petit peu actif. I wish. Ah, fuck off. Ça m'a fait un petit élan de nostalgie. J'ai dit, ah ouais, là, il partage ses jeux qu'il aime bien, genre. J'avais le goût de faire pareil. J'avais le goût de faire une liste. De Hidden Gem par console. Il a mis Hard Corps Uprising. Fier de parler. C'est bon. Il fait trop de bulles. Attends une minute, il fait pas de. Mais non mais. Attends une minute, bouge pas là. Bouge pas. Et puis c'est le deuxième. Il a partagé une liste de jeux. J'ai jasé dans la main, il y avait peut-être un mini-intérêt pour Lies of P, mais sinon, il joue surtout à des jeux de table solo chez eux. Ok. Et pourtant, il a partagé une liste de jeux sur Twitter. Et pourquoi il a pas sauté? Le sale. Bon, mais rip le Yoshi bleu. Il joue des jeux solo de table. What the fuck? J'ai déjà joué à ça une fois, genre, que t'as pas besoin de mettre de jeu. C'est des jeux avec des collants, genre, des affaires de trucs de survie, là. C'était popé, mais... Genre, t'as trois games, là. Genre, tu joues trois fois au jeu, puis après, c'est bye-bye. J'étais-tu en arrière, cul par-dessus temps? Ça dégage. Merci beaucoup. Oh, c'est beau, ça. Yo, Bloomhaven ou Frosthaven? C'est ça le jeu de zombies sur table? Il n'y avait pas de froid, fait que j'imagine que c'est Bloomhaven. Yeah. Il y en a pour des heures et des heures. Peut-être. Peux-tu dire les chemises de l'artiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches rapidement? C'est important. J'articule si mal que ça. J'articule si mal que ça. Archibald. J'ai pogné un boss de cartes Pokémon, mais ses gars ont pas autant embarqué que lui, fait qu'il a laissé faire. Ah, t'es-tu sérieux? C'est donc bien weird. Man, imagine, genre, tous les kids à l'école. Hey, mon père, il arrête pas de nous parler de ses cartes Pokémon. Moi, j'aime pas ça, là. Pas faire jouer à Fortnite. Pis là, t'as genre du monde dans sa clope. Ah, si, j'aimerais ça que mon père s'intéresse à moi. Fuck. Ah, moi, j'aimerais ça que mon père m'ajoute des cartes Pokémon. Ils doivent même plus parler de même, les jeunes. Je parle comme les ados des années 90. Faut que j'arrête. On se mange-tu des pizzas pochettes, man? Non, ça existe plus. Thank you.
de quoi, là. Oh, oh le con, il y avait de la place pour ça. Non! Ça coûte tellement cher des cartes Pokémon Magic. Ouais, moi j'ai pas vraiment d'intérêt pour les cartes. Moi je suis vraiment. Je sais que ça a l'air fou, là, je le dis souvent cette affaire-là, mais moi mon trip c'est vraiment les jeux vidéo depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 4 ans. Tu sais, ok, j'avais des figurines et tout, ça c'est l'autre truc que j'aimais bien. Les cartes, on dirait que ça me faisait déjà chier à l'époque, genre. J'étais comme fuck, je pourrais pas tout avoir. Pourquoi ça tombe plus vite que moi? Fait que peut-être avoir une autre passion que les jeux vidéo, une passion. Mettons, je mettrais des fois du cash dans des affaires, mettons que. Sont pas du jeu vidéo, peut-être que je m'ajouterais des figurines, là, comme ben du monde qui font. Une grosse figurine de Sephiroth, là. Ah, c'est sûr que c'est là. Non, ça marche pas. Non! C'est sûr que c'est là, c'est évident. Genre, ça me paraît évident. Hey, come on, Asti. De quoi là? Si, de Vera. Jouer à roulette au casino. T'es en train de dire que les cartes, c'est un scam? Ouais. Ça m'a jamais fait triper acheter des boosters. Je sais que même quand j'étais jeune, avec les Magic, ça m'a toujours fait... Je suis pas un gars qui aime ça, acheter des affaires pis que c'est pas, genre, qu'est-ce qu'il va avoir, genre. Genre, quand j'ajoute de quoi, je veux avoir le produit. Genre, pas une astuce d'affaires par rapport. Ah, fuck off. J'attends comme mon collecteur de Baldur's Gate 3, il était supposé arriver début septembre. Tabarnak. Fais un rant, man. Fais un rant, c'est en mode. Dis que t'es fâché. Il jouait avec lui avant, mais il commence à vieillir. Fait que c'est peut-être lame que son père joue avec eux, genre. Ouais, peut-être. Peut-être, Murder Man, je comprends pas tout le temps les ados. Jeux vidéo, musique, film pour moi. J'ai jamais eu d'autres gros intérêts. Ouais, pis encore là, la musique, j'en ai eu quand j'étais ado, pis là, maintenant, je n'ai plus, genre, vraiment, genre, de musique. Genre, tous les groupes que j'écoutais, genre, sont tous rendus vieux, pis... Ils se séparent tous, genre. Je pense que NoFX font une tournée d'adieu, genre. Pis les films, ben là, j'ai comme un petit intérêt qui est remonté dernièrement, là. Je n'ai écouté une coupe, mais man, c'est dur, man. Juste s'asseoir maintenant, pis de... D'écouter un film, là, c'est que ça me fait... J'ai envie de faire d'autres choses en même temps. Je suis rendu addict. Je suis rendu comme les jeunes là, qui ont un spam d'attention. Genre, j'aime ça les trucs qui durent 10-20 minutes, pas plus. Tabarnouche que je suis content là! Oh, Alice. On va
on la refait. On va la refait. Oh. En tout cas, bonne nouvelle, on a trouvé la troisième. La culture du cinéma sperme? Ben, même la musique, là, je te dirais. Là, on en parlait un peu d'Aman, là. On en parlait un peu d'Aman, puis il y a des viewers qui m'ont quasiment expliqué que c'est que j'ai de la nostalgie. Les films, la musique... Genre, mettons, regardez, là. Ça repartit le débat, là. On m'a dit que le fait que moi... C'est même pas mon compositeur préféré, là. J'ai dit Nobuo Uematsu, c'est genre le numéro 1 dans le jeu vidéo. Genre, même encore aujourd'hui, le monde a de la difficulté à l'égaler. Parce que oui, ils font des bonnes musiques, mais ils font pas des OST complètes, genre, des jeux. Et on m'a dit que c'était de la nostalgie. Une bonne qualité, puis que le film m'intéresse, par exemple, je vais écouter des classiques ou des films cultes, mais vraiment, je pense pas que le cinéma se perd. Si t'aimes ça, tu vas savoir trouver ce qui t'intéresse. Ah, tout à fait, moi, je pense que les bons films, c'est pas... Ce qui serait vraiment dangereux, c'est que les vieux films soient censurés. Fait que c'est sûr que aujourd'hui, il se fait moins de... Selon moi, là, il se fait moins de bons films qu'avant. Il y a quand même de temps en temps un bon film, genre, qui sort, genre. Comme les films de Christopher Nolan, il y a encore des Tarantino qui se font. C'est comme les tu sais, comme les gens, mettons, disent « Ah ouais, aujourd'hui, ça fait plus autant de bons jeux qu'avant. » Ben, tu sais, les vieux jeux existent tout le temps, puis de temps en temps, t'as un bon jeu. Et pour quelqu'un qui veut juste consommer des nouvelles affaires, j'avoue que ça doit être long des fois. Fuck off. Tu sais, c'est comme le dernier Batman, là, avec le gars qui joue dans Twilight. Là, c'est pas mauvais, mais c'est pas le meilleur Batman, selon moi. Ça risque d'être long avant qu'un gars batte un peu ce que Nolan a fait, genre, pour Batman. Puis encore là, je veux dire, j'ai... Asti, il a pas sauté! En même temps, je veux dire, Dark Knight, c'est pas mal le seul que j'ai aimé, parce que les autres, j'ai trouvé un peu chiant. Le Batman Begin, il est... à l'époque, j'ai pas trippé. Aujourd'hui, je l'ai regardé. Ça fait longtemps que je l'ai pas revu. J'ai fait comme moi, hein. Puis le dernier avec Bane, ben clairement, c'était pas le film qu'il voulait faire, mais vu que l'acteur qui fait le Joker, il est mort, man, c'est qui est ça. Chambre rouge, c'est super, je connais pas. Genre les trucs qui m'intéressent le plus au cinéma présentement. Peut-être John Wick, ça m'intéresse, genre, éventuellement, vu que j'ai trippé Matrice dans ma jeunesse. Internet est encore parmi nous, oui, bête. Internet est parmi nous, ça vient. Oh, si Internet le veut, genre c'était ça le titre au début du stream. Finalement, j'ai aucun problème. Je suis content. Ah, si, saute pas! Je suis content, mais j'ai l'impression que ça va jouer contre moi. Demain, je reçois le technicien. C'est bien un moment que j'aimerais ça que Internet soit comme d'habitude, qui marche pas, genre depuis 2 semaines. C'est bien, genre, à veille que je reçois le gars chez nous. Parce que si, genre, le technicien se déplace, ben monsieur, il n'y a absolument aucun problème. J'ai peur. J'ai peur. Il y a 2 jours que je te manque un peu, maudit. Ça va numéro 1. J'ai pas eu une bonne semaine de streaming. Alors, pas parce que ça... Je sais pas, là. C'est juste l'Internet qui arrêtait pas de couper. Genre, mardi, ça m'a fait vraiment peur. On n'était même pas capable de toffer, genre, 20 minutes sans que ça coupe. Il y a du monde qui m'a dit « Ah, j'ai reçu 3 notifs. Qu'est-ce qui se passe, là? » Fait que... Ah, shit. Il faut arrêter de faire de la marde.
inquiète-toi pas. Il voit quand ton signal est dégueu. On en parlait au début du stream. Ouais, c'est ça. C'était mon internet de piste qui arrêtait pas, là. Un internet intermittent. Comme ils disent. Fait que là, je me suis dit, à soir, je vais en faire du Mario, tu sais. Si jamais ça coupe, j'ai fait le monde 1, j'ai fait le monde 2, puis on arrête les dégâts. C'est pas trop rushant, là, tu sais. En tout cas, moi, ça me rush pas, mettons. Tandis que sur Lies of P, ça me... Je dirais pas que ça me... Ouais, ça me rendait salé, genre. Ça me rendait salé un peu, là. Sur un boss, faut que tu gardes un œil en même temps sur la connexion internet et comme ça. Ça donne envie de sacrer. C'est fou ça, ils ont ramené ça du. Oh! En même temps, c'est une bonne idée. On va bientôt avoir un nouveau Mario qui sort. Et ça glisse tellement. Hey, c'est une aurore boréale en arrière. Une aurore boréale, c'est beau. Ça se voyait vrai dans ton bonne nuit. Ouais, c'est vraiment décollissant, genre. C'est un travail sur soi-même, genre. Tu sais, comme le monde, il... Tu sais, comme... Ah. Il me pose tout le temps les mêmes questions. Ah, ça te tente pas... Ça te tentait pas de le faire avant? Ou, tu sais, comment ça se fait? T'es à Montréal, tu devrais pas avoir ça. Ah, ça. Pourquoi? T'sais, toutes des affaires, je suis comme... Ah. Ça me rend fou. Qu'est-ce que c'est ça? Elle vient d'où, la boule? Asti. Yo, il peut pas le bouffer! Bon, mais on vient de l'apprendre. Un frère marteau, c'est comme un humain, man. Ça peut pas être bouffé, genre. Ah, fuck! C'est au vidange. Oh, le Yoshi, man. Le Yoshi perdu. Je pourrais essayer de faire une glissade, saut. Oh, c'est... Non. Faut en revenir. Oh shit! Oh! Regardons ça. Mais non, mais pas de suite! Ok. Oh le con. Mais coudonc, il y en a combien? C'est sûr qu'il y en a un avant la fin. Mais ça va vite, là. C'est beau, ça. Aurore, l'enfant martyr en arrière. Aurore, l'enfant martyr. Ah, oui, ah, on en parlait. C'est en train de couper, les amis. L'internet est en train de chier. Il fallait en parler pour ce jinx. On est dans le rouge. C'est bon. Viens-t'en. Coupe. Coupe internet. Coupe. Parce que demain, le technicien, il vient. Il faut que ça soit l'affaire la plus dégueulasse qu'il y a vu dans le quartier. Là. Viens-t'en. Viens-t'en. Reviens là. Alors coupe aux 10 minutes comme tu me fais depuis mardi là. C'est pas le temps là, sorry. Non, non, pour vrai, c'est que. Mais c'est un irritant à force que tout le monde avec internet qui plante, je serais pareil à être mal. Ouais, c'est ça, genre tu deviens comme un peu genre. Tu deviens à douter de toi-même, genre. Je sais que c'est épais de dire ça de même, mais tu dis, c'est-tu moi, genre, qui est. C'est moi qui gosse pas assez, genre, le... C'est moi qui gosse pas assez Vidéotron, tu sais. Je me dis, ben non, j'ai appelé v'là 2 semaines. Je suis tombé sur un épée qui est incompétent. Je peux pas tout faire, man. Asti de Kali. On l'a eu. Oh le petit tas. Non, non, non. Non, 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 non. Ok.
Attends, qu'est-ce qu'il fait? Le Sirtax, ça revient? C'est toujours dans les mêmes heures? Ouais, ça ressemble pas mal à ça. Ben maintenant, ça pue vraiment de... Ça pue vraiment de différence, là. Je te dirais, là, vu qu'on... Ça devient intermittent aux 10 minutes, genre mardi, c'était ridicule. Mais ouais, y a des heures qui sont semblables, tu sais, ça coupe des fois une heure et tout. Anyway, c'est pas une affaire qu'on va régler, j'ai l'impression. Tu niaises? Oh shit. Oh shit. Le Yoshi nous suit. Est-ce qu'il nous suit dans le jeu? Je m'en rappelle plus. Hey, yes. Moi, je pense que c'est parce que Mercure est rétrograde. Oublie jamais, hein. Murder, oublie jamais. Si jamais à la pleine lune, tu mets tes vibrateurs sur le bord de la fenêtre. Ça peut les permettre de les réénergiser. J'ai vu ça sur Instagram. J'ai jamais vu... What? Ah oh, ouais, bête. Asti. Spécial, hein? Asti, genre, peu importe ce que je fais, genre, j'arrête pas de pogner le buzzer. Ah, tabouin. Non, fait que finalement, c'est zéro. Oh, shit! C'est pas plus 4. Enfin, c'est souvent en 4 que je fais. T'es ben, je te jure, j'ai vu ça genre sur Instagram, genre c'est terrible. J'ai dit, la personne peut pas croire à ça pour vrai. Il y a de tout aujourd'hui. Il y a du monde qui pense que la Terre est plate. Je les avais frottés avec des cristaux, mais c'était pas assez. Ah oui, ça aussi, man, c'est la même affaire. Le tarot, les cristaux. Toutes ces affaires-là, j'ai regardé ça, j'étais comme... What? Ça peut faire peur. C'est que depuis le COVID, rien me surprend. Ben, ouais, c'est ça, moi non plus. C'est exactement ça. Moi aussi, depuis la COVID, moi, il n'y a plus rien qui me surprend. D'ailleurs, depuis au moins 5 ans, depuis la COVID, maintenant, quand tu dis avant, ça aurait fait un sketch de RBO, quelque chose de stupide, le monde aurait ri, ça risque de devenir la réalité. Elle est pas plate, la Terre. En fait, c'est pas ça qu'ils disent maintenant, les gens qui croient que la Terre est plate. C'est quoi qu'ils disent? C'est un ovale. Je sais plus, là, un enfant là-bas. Ah, pourquoi il y a des pièces, là? C'est bien risky, ce que j'ai viens de faire, là. Mais non, mais c'est-tu de... Calmons-nous. Ta-t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 a. Attends une minute, comment je vais faire ça? Oui, papa! Wow, wow, wow. Ok. Ok, parfait, c'est sauvegardé. C'est beau ça, même moi je m'impressionne.
ça va casser. Non, non. C'est pas bien l'un, là. Façon de jouer ma vie. C'est-tu que ça donne envie de puncher quelque chose? Non! On l'avait! Oui! Oh, c'est bon. C'est tellement satisfaisant comme niveau. Oh, le petit con. What the fuck, ils ont déjà mis là, les gros? Quels sont les bénéfices de réénergiser un vibrateur? Je sais pas, man. Je sais pas, les batteries, ils marchent plus, genre, je sais pas. Les batteries sont en terre. Genre, tu donnes un peu de batterie au vibrateur, tu donnes un peu d'énergie après, puis genre... Tant qu'à moi, genre, mange un peu de viande, puis prends un jus d'orange le matin. Prends de la vitamine C. Sûr que ça date de la COVID. Non, mais la COVID, genre, comme mon boss, il dit souvent, c'est pas la COVID qui a amené ça. C'est juste que ça l'a aidé à mieux voir. C'est comme ça a amplifié le problème, genre. Alors là, ça va être le fun. Wonder... Hey, j'ai tellement hâte, bête, là. Un ballon de foot. Ouais, c'est ça qu'ils disent, hein. Une affaire de même. Une affaire pour rapport, hein. C'est ça, quelqu'un avait mangé un pangolin. Ah, des fois, il y en a qui disent c'est de la chauve-souris. Il y en a d'autres que c'est un laboratoire. On n'aura jamais vérité là-dessus. Là. Ça m'étonnerait même pas que ça soit une affaire de laboratoire. Puis le monde n'en fait que... Ah, ben, on est juste comme incompétents. Moi, l'affaire qui m'a le plus mis en tabarnak dans COVID, là, je te dirais... C'est pas me poser la question. Oh, qu'est-ce que le gars il a mangé ou si ça vient vraiment d'un labo puis se sont plantés en Chine. C'est asti puis ça coûte cher, genre le. Il y avait un médecin qui voulait prévenir tout le monde que ça allait partir, puis le gouvernement l'a fait disparaître. Puis après ça, t'avais des gens qui étaient là. Ah, oh, ils sont géniaux en Chine, ils sont capables de construire des hôpitaux, asti, comme des Lego. Ben oui, asti. Puis le monde sont en train de mourir, asti, genre dans. Il y avait de la pluie, c'était mal isolé, tout. C'est des colsins. C'est l'affaire qui m'a le plus mis en tabarnak dans toute cette affaire-là au début, genre. J'ai hâte de... Hey, ça va être fou, là, j'ai tellement... Genre, tout le monde a payé le prix vraiment cher, selon moi, juste à cause que c'est un régime... Dictatorial, en tout cas, là, on fera pas de la politique. Ah, si, j'aurais pu sauter sa tête puis monter en haut, je pense. Mais non, mais si, je suis dans ma tête. Fuck. Pourquoi pas? Allô? Yo, j'ai aucune piège. Ça, c'est peut-être bon, ça. Ça, c'est peut-être popé. Un beau boulot! Ah, la troisième est là. Je sais pas si dans le monde 3, je dois surveiller les mondes... les sorties spéciales. C'est un beau rapido-course, ça, mon... Ouais, si vous trouvez. On donne zéro tribune aux vrais experts, les microbiologistes et autres médecins. Exactement, genre. Exactement, c'était une période de fou, ça. Elle n'est pas encore finie, cette période-là de fou, mais... C'était quand même une période de fou, ça. Stalactite. Ça veut dire qu'il tombe, ça.
va durer encore 10 ans. Non, c'est fini. Là. C'est juste que... Là, on vit les dégâts, genre, de cette affaire-là. Genre, là... Hey, j'écoutais les nouvelles. Je pense que j'en ai parlé... Je pense que j'en ai parlé en stream là, la semaine passée. Ou dimanche. Là. Le 2/3 des restaurants vont fermer au Québec. Genre, ben, en tout cas, ils seront pas capables de payer leur... l'aide qu'ils ont demandé durant COVID, genre. 2/3. En défaut de paiement, genre. Ça fait peur. Ok, la première. Ok. La deuxième pièce, c'est le tuyau au-dessus de la tête du frère de je sais pas trop quoi. Là. Je suis sûr que c'est ça. Oh le con! La minute m'a voulu, là. Je suis parti sur un sujet. Asti! Oui! Asti que c'est beau. C'est bien exécuté, pas vrai, là. Pour tout à l'heure, ça. Oh! On arrive bientôt proche des 100 vies. Alors, j'espère que dans ce Mario-là, on perd pas notre chapeau, là. Si on joue bien, là. Il me semble que c'est triste. Tu joues bien, Mario, il n'y a plus de chapeau. Je pense que c'est marqué. Bonne nuit à vous tous. À la prochaine. Bonne nuit, Matt. Faites beau rêve, mon homme. Merci beaucoup d'être passé. La COVID, c'est quasiment rendu comme l'influenza. Ouais, ça, genre. Le 2/3 des restos ferment, puis ils remplacent ça par des Tim Hortons de Calis avec 2 employés ados qui font 87 heures semaine. C'est pas faux. J'espère que vous aimez ça, boire du café puis des beignes. En fait, il n'y a jamais de beignes, moi. À chaque fois que j'ai été au Tim Hortons, il n'y avait jamais de bang dans mon coin. Ils sont rendus à faire du café et des sandwichs. Même. Je comprends pas comment ça fait pour pogner encore. Asti. Fuck off, il me faut un champignon. Ça commence à être ardu, là. Il passe à travers les affaires, le petit con! Hein, toi? Je veux mon café chaud, non? Oh, man. Qu'un petit fendant. Tain, le petit baveur! Comment qu'elle disait, Yolande Ouellet? Tain, le petit bum. J'ai rentré dedans. Oh, ça mérite une étoile de moi. Le petit bum. Petit maudit baveux. Une affaire de même, elle dit le petit baveux. J'ai rentré dedans avec mon char, le petit baveux. Ah oui, enfin! Un manoir mouvementé. Ah. Ah shit. Oh, ben. Ah quoi? Ça avance. C'est un auto-scroll. Non, arrête. Qu'est-ce que c'est brisant, hein? D'ailleurs, j'ai pas pris la pièce. Je sais pas ce que je fais. Regarde, attention, porte du bas.
Ah, il y a peut-être quelque chose en bas. Non, il n'y a pas un mur invisible, non? Il y a une porte du haut, d'abord. Ça te remet, là, genre. T'as un petit baveux qui voulait pas me laisser passer avec ses deux chums de bombe comme lui. C'est ça qu'elle dit. C'est la grosse dinde noire, genre. Je pense que c'est la fin qui me... Ça me faisait plus rire que genre l'autre qui avait l'air un peu coucou, là, avec son chum. Oh, oh shit. Ah ouais, faudrait attendre le... Ok, let's go, là. Parce qu'on est à la fin du niveau. Une flèche de même, là. Ah, si, oui. Ça file comme la fin du niveau, ça. La deuxième, ok, c'est bon. Ok, pas pire. Deux bombes. La grosse dinde noire, elle est revenue, la grosse dinde noire. C'était bon, ça. Elle va revenir. Oh shit! Oh! Juste à cause de la pièce bleue! Wow. Ok, attends une minute. D'après moi, ça doit être la porte de. Quoi qu'ils essaient de nous dire là? Le mur aussi, c'est pas un vrai mur? Je n'ai pas vraiment besoin. On va mal prendre. Ok. Là, si je prends la switch, genre, ça se trouve, le mur, on peut le péter. Ah ouais, c'est ça. Quoi ici? Oh! Est-ce que c'est bon? Je sais pas qu'est-ce qu'ils font les autres, là, mais est-ce que c'était bon, ça? Comment je vais faire ça? Calique d'affaires de vidange. Hein? Ça marche avec mon saut? Yo, what the fuck? C'est quoi cette idée-là, genre? C'est la sortie secrète, ça, genre? C'est la sortie normale? Oh yeah! Mario time! Ok. C'est juste la sortie normale. Huh. Je les aime beaucoup, ces niveaux-là. À force d'en faire, tu sais, au début, quand j'étais jeune, je détestais les maisons hantées. J'étais comme, ah, si ça fait chier, on sait jamais où aller, mais finalement, ça reste quand même peut-être les meilleurs niveaux. C'est vraiment, ben, c'est vraiment original, tu sais. Il y a quand même des bonnes petites idées ici et là qui ont été placées. Ok. Fait que là, admettons qu'on essaie de pogner la première pièce. J'ai pogné avec elle. C'est le dans, je me rappelle plus. Non! Papa, 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 papa. J'ai pas tout ouvert. Attends une minute, peut-être que je peux être... Oui, tu... Je peux pas regarder parler. Celle du milieu. Oui. Troisième pièce, s'il te plaît. Peut-être ça va me sortir du niveau.
Non, pas du tout. C'est une loupe, ok. Ah, mais je l'ai faite, elle! À quelle j'ai pas fait? Oh, je suis dans le rouge, les gars. Je suis désolé. Je suis mais dans le rouge. Si jamais ça coupe, ben... on se revoit dimanche. Non! Ah, ok. Allô? Allô? Ok, ça partit puis je suis revenu. Allô? Allô, y a-t-il encore quelqu'un? Je vous explique pour ceux qui viennent d'arriver puis pour ceux qui étaient pas là jeudi soir. On a une coupure internet. Le technicien est venu vendredi. J'ai plus de problème d'internet. En tout cas, j'espère, je croise les doigts et tout. Puis on était rendu à ce manoir-là fantôme puis ça a coupé. Le seum a coupé comme ça. Fait que, let's go. Ça part. On continue. Moi, les Castlevania Netflix, je les regarde, mais je vais pas les re-regarder. Ouais, ça envoie une vibe de même, genre. Genre, écouter une fois, ça a l'air bien, mais deux fois, je suis pas sûr que j'écouterais ça. Ah, me disait bien aussi. Me disait bien. Juste passer une bonne soirée. Merci beaucoup à toi. Bonne nuit à toi, Alex Potato. C'était sur du League, hein? Je pense que Alex Potato puis Giz, dans le fond, on a un raid. Je pense qu'ils sont le dimanche soir où ils se font des soirs dans la semaine. Ils sont sur League. Je sais qu'il y a du monde qui me parle de League des fois dans le chat, là, comme Fenrir. Là. Ils font des soirées de League. Vous irez voir ça. Tu devrais jouer à League. Sais-tu gamme, genre, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, là? J'ai envie de faire plus de rétro. Comme j'ai regardé Perso faire son... Personnateur, j'ai regardé faire son 24 heures. Parlant de jeu sérieux, j'ai vu Giz qui a joué à Lion, je sais pas quoi, là. Genre un RPG, j'ai oublié le nom, désolé. Là. C'est un Hidden Gem de la NES. Oh, oh, oh! Ça existe! Attends une minute. Ah, shit. Ah, ça marchera pas. Vierge! Faut que je reforce la porte. Silent Hill 2, c'était bien parti. Ben écoute, oui, c'était bien parti. Mais tu sais, plus des classiques, on va dire. Genre, j'irais plus... Je vais vous dire de quoi, j'ai une rage de Super Nintendo. Là. J'ai une rage de Super Nintendo, là. Come on! Je sais que c'est pas tout le monde. Pourri! Comment qu'on fait pour aller plus vite? Comment on fait pour aller plus vite, genre? Ça a pas de bon sens. On peut pas le déplacer, le P? Bon! Fait triple jump. Non, je pense qu'il fallait juste faut pas manquer le premier saut, je pense. Ah, nice. Nice. Et pour moi, c'est un bon niveau, ça. Oh,
Ah, si, il y avait un trampoline. This way. Full cool, big. League, ça a 14 ans, c'est rétro. Non, mais tu ris, mais... Hey, pour vrai, j'ai dit à Catherine... d'après toi, là... J'y parlais, je disais, mettons, v'là 15 ans, ça fait quelle année, là? En 2024, 15 ans, ça va être 2008? Hein? J'ai pris la sortie secrète, genre? C'est-tu 2008 ou 2009? Je m'en rappelle plus la conversation qu'on a eue. Mettons, tu fais 2009, c'est ça, hein? Fait que tout ce qui est rendu 2009, ça peut bientôt être considéré comme du rétro. 209, 209. Vas-y, Catherine, écris-le encore 209. Oh, le con! Qu'est-ce que j'ai fait? Mais ouais. J'ai vraiment une envie de... de faire du rétro, man. Une envie de... C'est ça qui est touché là-dedans, parce que... j'ai une envie de Super Nintendo, là. Peut-être en 2000... Ah, come on! Peut-être en... ça va pas bien, là. Peut-être qu'il y en a une. Dude, what? Peut-être en 2024, s'ils sortent pas une nouvelle Switch pis y a pas beaucoup de sorties, peut-être qu'ils vont faire durer. Mais y'en calé que ça va où? Tu peux sauter sur le truc? Mais pour moi, on peut monter dans un... Hey, je vois aucune pièce. Ils sont vraiment bien cachés. Come on! On est à la fin du niveau! What? J'ai aucune pièce. Skyrim rétro. Ben, on rit, mais ça s'en va vers là. Faut l'accepter. Je pense qu'il faut l'accepter. Ben, Skyrim, c'est 2011, là, mais... je pense qu'il va falloir un moment donné l'accepter, genre. Quand un jeu, ça a 20 ans, ben, c'est du rétro, là. Même s'ils ont fait, genre, 10 000 remasters, à un moment donné... Quoi, votre avis, vous autres? Ah, tu peux l'écraser. Ah! Attends, mais là, c'est intéressant. C'est vrai, j'ai plus de batterie. Quoi? Je suis mort parce que le truc est descendu en bas? What the hell? Ça sort quand, Mario Wonder? Ça sort le 20 octobre, les amis. Ça sort d'ici 20 jours. Je comprenais pas comment j'ai fucking out. J'ai vraiment hâte pour ce jeu-là. Je comprends que c'est juste un Mario 2D et tout, là, mais moi, je suis vraiment hype. Là. Avec toutes les fonctions qu'ils ont annoncées, genre le fait que tu peux genre jouer un peu online, faire des courses avec le monde, les power-ups et tout, c'est un renouveau pour le Mario 2D. Ça fait depuis... 2005, on a la même formule pour les Mario 2D, soit le New Super Mario sur la DS. Là. Ça, c'est une itération des New Super Mario. Là. Ça fait... je suis pas fou, hein? Le New Super Mario, il était sorti sur DS en 2005? C'est ça? Ça me rappelle de la... oh, le con! Et c'est pas en haut. Il y a sûrement quelque chose ici. Là. Si on peut prendre une... absolument rien. Ah, fuck. Hey, il est bien dur, ce niveau-là. En même temps, c'est un niveau caché, là, mais... on a la série. C'est ça. Morcinet. Ça s'appelle des morcinets, les gars. C'est pas un morse, c'est un morcinet.
Dude, what the fuck? Un oursiné. Wow! Il a sauté. Plus intelligent qu'on pense, un morcinet. C'est pas en haut. Ok. Oh, il est là! Une minute. C'est le premier? Ouais, c'est le premier. D'où il est tellement chanceux. Je peux pas le prendre, il est trop lourd devant moi. Faut le tuer. Ah ouais, c'est ça. Okay. Maintenant, on va avoir la série des fleurs qui jasent. Hey, j'ai tellement hâte à ça. Je dois être le seul gars hype autant que les fleurs me jasent en français. Genre de la narration dans mon Mario 2D, j'ai tellement hâte. Je pense que je suis le seul qui a hâte de ça. Pourquoi il saute pas? Oh le coup! Là, on est d'accord, celui-là. Il y a rien de spécial, mais même ça, c'est louche. Il y a rien. C'est louche, hein? Oh! Je suis content là, c'est réglé. Ah, c'était là. Oh, tabarnak Mario! C'est une étoile superstar. Hey, savez-vous, genre, ok, je donne une idée, ok. Admettons que c'est une synthèse vocale, ok. Puis que dans le futur, les gens, ils font de l'émulation de Super Mario Wonder, ok. Écoutez bien ça, écoutez bien mon idée de fou, ok. Le monde vont faire des ROM hacks. Ils vont faire des hacks de Super Mario Bros. Wonder. Fait que si tu peux mettre la synthèse vocale en québécois, puis tu peux lui faire dire de quoi, ça va être incroyable, les gars. Oh, tabarnak, Mario, oh, regarde ce qui se passe! Ça serait fou, genre! What the fuck? Je suis dans quel monde, hein? Ah ouais, ok, c'est un raccourci pour ça. Avec le perso de Bob Hartley de Pérus. T'as skip le jeu au complet? Je pourrais, mais je vais pas le faire. Je pourrais, mais je veux mon jeu à 100%, mais... Comme porcinet, dans Winnie de Pooh, mais morcinet. En français québécois, sûrement Evil Dead. Hey, je sais pas, les gars. Je sais pas, genre... C'est une synthèse vocale, là, comme dans Metroid Dread, je pense. What the fuck? C'est quoi cette affaire-là? Tu sautes pis ça rebondit pas? Ah, le visuel était popé, hein? Attendez, là, je me suis fait avoir. Objet. Objet, on va utiliser l'étoile. Ah non, mais l'étoile, je pense que ça va les insta-tuer, genre. Ah oui, c'est ça le problème. Ça les tue direct. Ah, ok, attendez un instant. Mettons qu'on fait ça. Pièce. Ok, fait qu'il reste juste... Il reste juste le château qui est là, pour on a fini le monde.
T'as-tu vu les trois épisodes Gen V? Je sais pas c'est quoi. Gen V? C'est quoi Gen V? Prends un gland P. Prends un super gland. Ça m'a dit quoi, là? Ça vaut-tu la peine? Non, ça a l'air de la merde, ça. Yay! C'est l'ancêtre du des fleurs, ça. Dans le futur, c'est les fleurs qui vont me remercier. Ah, oh, c'est vraiment bien joué, Mario! Ça va être fou, man. Ça va être fou. Oh! Quoi? Qu'est-ce qu'il fout? Vous avez vu, c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Je vais mourir. Hein? Ça marche pas? Ça marche pas avec lui, les pics? C'est pas comme dans le temps. Non, mais dans le temps, dans le 3, tu peux pas faire ça. Mais je pensais qu'on pouvait avec eux autres. Dans le fond, les fleurs vont faire des capis dans comme vont faire comme capis dans Odyssey. Mais capis, ils parlent pas à Mario. Tout est en texte. Genre, tu lis toi-même, il y a pas de narration. C'est le spin-off des Boys. Ben, j'ai aucune idée, gars. J'ai vu le premier Boys, je pense que j'ai vu le deuxième Boys. Un peu dans Mario Maker, mais pas dans ce jeu-là. Ben oui, c'est ça, je suis en train de me rendre compte, hein? C'est étrange. Bon, on va réessayer, man. Comme maintenant on le sait. Qu'est-ce qu'on fait? Yay! J'arrête pas de me faire applaudir, j'aime ça. Ah. Quelque chose en haut d'après moi. Papa, papa. Même pas un petit truc de cachet, hein? C'est étrange. J'ai un feeling que je vais manquer la deuxième pièce. Oh! Quoi? Oh! Oh! Écoute pas Gen V. Avant d'avoir écouté la saison 3 des Boys, par contre, car ça passe entre la saison 3 et la 4. Salut, Draft Gaming. Il n'y a pas de chance que j'écoute ça tout court, genre. Je suis déjà dans un petit trip d'écouter des vieux films, là. Il faut que j'arrête, si j'arrête pas de me faire chier. Faudrait que je trouve de plus de temps pour écouter. Je suis parti sur un trip d'écouter des films Ghibli, là, avec ma blonde. On va aller me chercher une fleur, un champignon. Je sais pas qu'est-ce qui nous attend l'autre bord. Ah! Ils l'ont pas remis! Je me sens trahi. Ouais. Wow! Faut plus bouger, là. Faut attendre. Je suis patient, je suis un gars patient. The Boys pis les Boys, c'est pas la même affaire. Hein? Ah, The Boys, c'est... Ok, oui! The Boys, c'est l'affaire de super-héros. Ok! Non, mais là, j'avais juste l'air d'un épais. C'est... Ok, oui, c'est l'affaire avec la bande dessinée. Non, c'est pas une bande dessinée.
Non, ta minute, c'est quoi d'abord? Attendez, c'est quoi le nom du gars là, avec la moustache qui ressemble à Superman puis il crisse des volets à son gars là, puis il fait « Mark! Pense vite, Mark! » Homelander. Ah shit, j'ai mal joué. Invisible. Ok, je dis n'importe quoi, je mélange tout, mon gars, man. Rémi Gérard dans The Boys. Ok, Invisible. Invincible. Ça va l'air popé, cette affaire-là. Ah shit, faut tout refaire. Hello, what the fuck is that, man? Les boys. Pourquoi le monde me parle des boys? En train d'en venir à la mode, genre. Je comprenais pas. Ah, pourquoi ils sautent pas? La dureté du mental! Mental toughness! On voit Rémi Gérard qui tire des rayons des... L'adulté du mental! Wow, c'est quoi cette affaire, là? Faut être patient, là. On va garder son champignon, faut être patient. Ok, good. On rit, mais la dure, l'affaire de la dureté du mental, là, c'est peut-être une des citations les plus connues du cinéma québécois, genre moderne, on va dire. Ça, pis Think Big, est-ce que faut pas se planter, gars. Faut pas se planter. Julien qui est stone, je l'espère. Ah, c'est facile! Fallait comprendre la combine. T'as Disney Plus? Non. J'écoute, je suis abonné à aucun système de... J'ai comme pas le temps. C'est pas une blague, hein? J'ai vraiment pas le temps pour écouter ces affaires-là. Je laisse ma blonde gérer ça, puis... je sais que là, présentement, elle est sur Netflix, parce qu'elle aime ça écouter des... c'est quoi le nom là? C'est quoi l'affaire que t'écoutes là, Catherine là? Le gars là, c'est un japonais là, c'est un animé là, pis il chasse des démons. Demon Slayer? Pis il est en carotté turquoise là. Luc Radaise, j'ai oublié le nom, c'est quoi? J'écoute pas de série. Je suis tout le temps en stream, les gars. Demon Slayer, c'est ça. Vu que Catherine elle écoute Demon Slayer sur Netflix. Je sais qu'elle a Netflix, fait que là je me dis je vais écouter la fin de semaine avec elle un Ghibli, genre. Parce qu'ils sont là-dessus. Là j'ai vu qu'ils ont mis des films d'horreur, puis là peut-être on va bientôt écouter des films d'horreur pour l'Halloween. Ah, fait du patin! Tu vois que c'est plus facile que dans celui de Saoui. Hey man, ça va nous tomber sur la tête. Wouah, facile! J'avais pas pantou de Netflix avant, non. Je me suis jamais abonné à cette affaire-là. J'ai jamais eu d'intérêt pour les séries. À la limite, la dernière fois que j'ai écouté une série, c'était Game of Thrones. J'ai écouté les trois premières séries, puis j'ai écouté le début de la troisième, je suis assez plate. J'ai arrêté. Genre, j'ai pogné au labé, genre. C'est HBO, anyway. Yeah! Mais c'est pas juste que j'ai eu des blondes abonnées, c'est que ça m'intéressait juste pas, genre. Ouais! On a toutes les pièces de ce monde-là, les amis! Wouhou!
Next! C'est quoi qui s'ouvre, là? Un nouveau chemin. Hein? C'est quoi cette affaire-là? Hein? Jungle pimentée? Balai des canons? C'est quoi cette affaire-là? Jusqu'à fin octobre, c'est bien correct. On écoutera un autre Ghibli, genre, pis c'est tout. Je pense pas à la tête avec ça. Fait que c'est ça, les gars. C'est soit que je me mets à écouter plusieurs films ou séries, pis je stream pas, ou je stream, t'sais. Parce que le soir, t'sais, ça a l'air con, mais je suis ça en stream, là, fait que... Je te dirais que ma priorité, c'est plus jouer à des jeux vidéo dans la vie. Quand je joue pas à des jeux vidéo, j'écoute des vidéos sur les jeux vidéo. Sur l'histoire du jeu vidéo, des trucs de même. Genre la série que j'écoute, ok? Qui est pas une série. J'écoute les Game Center CX quand ils sont traduits en anglais. Genre sous-titrés en anglais. Là. J'adore ça. Je sais pas si vous connaissez. Il y en a qui connaissent Game Center CX dans le chat. Il y a du monde qui les upload là, sur Internet. Ça, j'adore ça. Faut le faire amener jusqu'à là. Come on! Pourquoi il tombe pas? Genre, il a les pieds pognés dans les fleurs du tapis. C'est vrai qu'il y a de l'air qui vient de là. C'est nouveau, ça? On l'a jamais affronté depuis le début du jeu. Non, mais faut pogner ça. Ah ouais, ok, je comprends le délai. Hein. Mais non, mais attends une minute! Comment tu le fais sauter? Tu ris-tu de moi? Come on! Oh shit, j'ai eu peur. Alors, un. Ah, c'est quand même technique comme niveau, genre on est dans l'eau pis tout, là, t'sais. M'en voulez après, là, pour les abonnements pis tout, là. Je sais que pour certains, c'est votre vie, là, écouter des séries, mais... Tu miaises-tu? Bon! Oh, man! Je pense que Mario a beaucoup de souffle à vous, hein? Une chance que c'était juste un 3 coups aussi. Hey, j'ai l'air orange, aussi. Allô? Attendez, je vais remettre une couleur normale. Pas sûr, si j'étais encore rouge. C'est pas grave.
stream puis mets Netflix sur ta cinquième écran. Ben ouais, mais quel internet? Avec un internet de marde de même? C'est faux. Mon internet va bien, là. C'était bien étrange comme niveau. Fait que là, on est rendu là. Mais non, mais attends une minute, y'a pas ce niveau-là avant? Et oui, je l'ai complètement skip. Ce niveau-là, il est pas fait encore. Il nous amène là aussi. Faudrait que je fasse ce niveau-là en arrière, genre le truc pétillant, genre je sais pas quoi. Là. Ce niveau-là, là, il était vendu comme étant la nouveauté de ce Mario-là, là, avec des niveaux qui étaient peinturés comme... qui étaient comme faits comme une peinture, genre de je sais pas trop quoi, là. Une peinture d'horreur, là. Un Van Gogh. Là, il est au Mexique. Chou, le collier. Oh, le petit Vera! Je suis content d'avoir fait absolument tous les Mario 2D. Papa! Genre... Oh, le petit con. Il reste pas beaucoup de temps. Vous pouvez donner un deuxième coup? Ah, parce que les autres pingouins rentraient dedans, genre. Yo, il reste 2 secondes. C'est dangereux. Oh, c'est nul! Mes cadeaux de fête Noël, pas mal. As-tu demandé la couronne parce que je peux pas l'utiliser? J'espère que quand on va faire les niveaux extra, là, le monde neuf, là, c'est sûr qu'il y a un monde spécial. Ah oui, attends une minute, on pourrait aller là, on n'est pas été là. Ah non, il les a réinitialisés. C'est les a reset à zéro quand on l'a terminé. Je me donne toujours un mois, puis quand j'en ai besoin. Sinon, j'écoute surtout Prime Video, vu que mon abonnement Amazon est noé. C'est vrai, je pourrais écouter Prime Video, j'ai déjà ça. Mais mon délai, moi, c'est vraiment écouter des streams, puis d'écouter des vidéos sur YouTube, genre. Aussi, un de mes plaisirs, c'est essayer de trouver du temps aussi, là. Genre, à la fin de semaine, essayer de pas m'endormir. Essayer de pas m'endormir à la fin de semaine, c'est déjà un miracle. Toad, il est gentil. Écoute, 99, je pense que ça vaudrait pas la peine. Je pense qu'il faudrait plus que j'en fasse là. Il faudrait que je les garde pour plus tard. Peut-être que plus tard, on en aura besoin. On fait le monde neuf. Pa 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 pa! Viens-t'en toi. Ah non, c'est lui qui fait des bulles, hein? Oh, on s'en fout de lui. Oh, pétillante. Ouf. Le manoir fantôme, c'est un bateau, même. Ça va être cool, je pense. Pam 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 pam. Alors, qu'est-ce que vous m'avez écrit? Vous m'avez écrit... Je suis désabo. Il y a Resident Evil sur Netflix, mais c'est totalement chier. Ouais. Genre, mon délire à moi, ce serait d'écouter tous les films Resident Evil, même si je sais qu'ils sont mauvais, puis peut-être ensuite me taper la série un jour. Si on vient de comprendre, il choisit ses filles pour leur compte Netflix puis Disney. Ah ah ah! Zéro! Ok, ça, chez nous, on a une routine d'abonnement. L'été, on s'abonne à Disney, Netflix, super écran. L'hiver, les séries québécoises recommencent, donc on se désabonne à tout sauf Disney. Ah ouais! Moi, je suis tellement pas dans ce problème-là présentement. Je fais du rétro gaming de films. J'ai une série de films à écouter là, que quelqu'un m'a transféré, on va dire, de manière pas. De manière labée.
J'ai des Robocop, des Terminator, j'ai des Predator, des Alien à écouter, là. J'ai des films de John Carpenter. J'ai des Tarantino à écouter si j'ai... Je sais pas quoi faire, là. C'est-tu le Super Club, Alexis? Non. Alexis m'a jamais parlé de sa collection, mettons. Salut, Max, ça va bien? Allez, donnez-moi 2 secondes, je vais aller pisser. Ce sera pas long, je vais aller pisser, ce sera pas long.